Bernard, ce maillot jaune, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oh ouais, c'est vraiment fantastique, je crois. Hein. Voici le moment où Bernard Thévenet revêt ce maillot jaune. Jop Zoetemelk qui est avec nos amis de la télévision néerlandaise. Mais là, il faut retrouver, je pense, Bernard Thévenet sur le podium. Bernard Thévenet en jaune avec 58 secondes d'avance sur... Oui, Bernard, à vous. Bernard, est-ce que tu peux nous raconter le dernier kilomètre ? Oh ben, je peux dire que c'était dur, extrêmement dur. Je me suis rarement fait aussi mal, c'est tout ce que je peux dire. Justement, dans la descente, Merckx était devant. Est-ce que tu as cru que tu pouvais revenir ? Oh non, j'ai bien cru que mes chances en étaient finies. Et quand je suis justement, j'avais d'autant plus le moral que moi je me rapprochais, que Eddy, lui, perdait du terrain, je pense. Et lorsque vous êtes revenu sur Eddy Merckx, est-ce que vous avez vu que justement il était en train de faiblir ? Ben, lorsqu'on vient sur un homme, c'est automatiquement qu'on va plus vite que lui, donc normalement c'est qu'on est mieux quand même. Bernard, ce maillot jaune jusqu'à Paris maintenant, au début de cette journée, elle était quand même un peu difficile. Vous avez un moment en difficulté Oh non, c'est en haut du col d'Alos, oui, Merckx m'a littéralement fait exploser. Dans le col des champs, j'ai fait j'ai essayé d'attaquer un moment dans le col des champs, mais je crois qu'on était tellement à fond. Surtout, j'ai crevé en dernière descente du col des champs, j'ai perdu beaucoup de temps, fort heureusement. C'est un rêve. Une chose que je voudrais aussi remercier mon ami Francis Ducreux qui avait reconnu le parcours, qui m'avait averti un peu de tous les pièges malheureusement. Oui, mais écoutez. Merci mon héros. Oui, mon héros. Oui, ça. Oui, de Lille qui est en train de faire la course. De Lille qui est en train de féliciter Bernard Thévenet qui a parfaitement récupéré, qui est